Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre cinquième volet des soldes XM Studio. Et on voit aujourd'hui une toute petite statue, une statue vraiment en finesse et en élégance avec le personnage de Captain Marvel. Alors, je remercie du coup Frédéric pour les volumes 5 et 6 des soldes XM Studio parce que c'est lui qui m'a vendu ces deux statues. Et on commence du coup aujourd'hui avec Captain Marvel qui m'a vendu au tarif de 600 euros. Alors, en prix public pour cette Captain Marvel, je crois qu'on était à 1099. Donc, même si ça ne semble pas un écart colossal en termes d'écart de prix, on est à quasiment 50% de la valeur du produit. Avec, voilà, à 50 euros près, c'est la moitié du prix d'origine sur cette statue. 50% d'évaluation sur le second marché. Alors, c'est une statue que j'ai déjà failli acheter plusieurs fois, puisqu'elle se balade régulièrement autour de 700 à 800 euros, donc grosso modo 30% en dessous de sa valeur d'origine. Souvent livrée parce que c'est une toute petite boîte, une toute petite statue. Ouais, je ne vois pas le poids d'ici, mais je sais pas, elle doit faire une quinzaine de kilos. C'est une statue qui a été tirée à 799 exemplaires, donc un très gros tirage de la part d'XM Studio pour ce personnage. Parce que Captain Marvel, bon, c'est pas non plus voilà, le personnage qui déchaîne les foules. Personnellement, c'est une statue que un personnage que j'aime pas trop de ce que j'en connais dans les films. Le film Captain Marvel était sympa, dans les Avengers, j'aime pas son rôle et encore moins sa coupe de cheveux. Cependant, voilà, c'est une statue qui est quand même vraiment très jolie. On a un paint qui est de toute beauté de la part d'XM Studio. On a une statue, comme je vous le disais, fluette et élégante, donc ça donne un peu de diversité dans ma collection. Et surtout, on a des parties en résine translucide et non peinte, comme est sur la photo du prototype, ça c'est assez rigolo pour le coup, qui sont toujours très agréables à voir, d'autant plus que c'est très fin, c'est très joliment sculpté. Voilà, donc je n'aurais pas mis clairement 1099 euros dans ce produit. Je crois qu'il était proposé à un moment par Samuel avec une restourne aux alentours de 900, je crois, si j'ai pas de bêtises, pour l'exemplaire qui avait été déballé. Ensuite, voilà, j'ai vu moins sur les groupes, comme je vous disais, dans les 750, je crois. J'avais failli me laisser tenter, et puis finalement, non. Et au final, bon, avec Frédéric, puisque je lui ai acheté une deuxième statue qui, elle, m'intéressait beaucoup, j'ai du coup craqué parce que 600 euros, c'est quand même, voilà, c'est le prix d'une sideshow. Donc franchement, pour le prix d'une sideshow, c'est quand même une jolie pièce et elle va prendre très peu de place dans ma collection parce qu'elle est tout en hauteur, le socle est microscopique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette Captain Marvel? Alors, on retrouve une base militaire. Bon, personnellement, je connais pas super bien Captain Marvel, mais je comprends pas trop le choix de la part de XM. C'est peut-être les canons des aliens là qu'elle affronte, je ne sais pas trop. Bon, comme d'habitude, les fameux câblages avec des sorties en métal, ça c'est récurrent chez XM. Une base, voilà, style un peu trépied militaire, avec la possibilité à l'arrière de mettre deux longs canons ou deux courts. Bon, aucun intérêt à mon sens de mettre les courts, parce que comme d'habitude, ça donne quand même plus de cachet de mettre les gros sur l'arrière du socle. Donc bon, j'ai essayé les petits dans la boîte. Ensuite, le personnage, donc il est tout en hauteur, vraiment en verticalité, avec des petites flammes en résine translucide. Alors ça, c'est très très beau, parce que déjà, c'est extrêmement fin. Deuxièmement, voilà, on dirait vraiment que les flammes, elles dansent sur ses pieds, donc c'est vraiment très joli. Et troisièmement, on a un dégradé du coup qui va du blanc au jaune foncé. Et franchement, la résine translucide qui change de couleur, c'est toujours très très beau. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, voilà, on a le petit drapé qui vient de s'entrecroiser. Des fanions de Captain Marvel, ça c'est cool. Et ensuite on a deux bras, alors là pareil, bon, à mon sens aucun intérêt, où les bras avec le pouvoir qui se développe autour et la petite pointe sur le bras gauche qui est vraiment bien classe et qui rappelle en plus le socle, ou alors la possibilité de mettre les mêmes bras sans les flammes. Bon, franchement zéro intérêt à mon sens. Et ensuite, alors, choix un petit peu atypique, mais bon, je vais finalement le présenter comme ça. Je me suis quand même tâté avec la tête numéro 3, à savoir celle-ci, que je vous présenterai après. Mais je vais quand même présenter cette tête dans ma collection. Alors, cette tête masquée, du coup, elle a les cheveux, elle, pour le coup, en résine pleine peinte. Alors, je trouve que ça aurait été plus sympa de les faire en résine translucide. Alors,
pourquoi pas, soyons fous, à rétroéclairer, mais bon, XM et les light-up, ça n'existe pas. Mais au moins, voilà, en résine translucide, comme j'avais du coup sur mon buste Queen Studio, et où ça aurait rappelé à merveille, du coup, la transparence de la résine du socle. Là, ils l'ont fait en résine pleine. Bon, c'est joli, mais du coup, je trouve qu'il y a une inadéquation. C'est-à-dire que s'ils avaient fait cheveux peints, résine pleine et flamme résine pleine peinte, oui. Si maintenant ils ont opté pour la résine translucide pour les flammes, moi j'aurais fait aussi la crête en résine translucide. Bon, pas super fan de ce choix. Maintenant, bon, c'est fait, ça ne dénature pas. Et pareil pour l'application de peinture. Pour les bottes, pour la ceinture et pour le torse, on est sur une peinture mate. En revanche, pour les brassards et pour la tête, on est sur une résine, sur une peinture effet carrosserie brillante. Alors bon, je ne sais pas s'il y a une raison, si ça respecte bien ça. De mémoire, encore une fois, sur le busqueen que j'avais, tout était uniforme. Donc bon, après on a une peinture bleue irisée pour l'intégralité du costume qui est du plus bel effet. Le paint est parfait, ça ne déborde pas d'un poil. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau de la part de XM. Et c'est encore une fois, enfin, à se demander comment on peut avoir des paints d'une aussi grande qualité sur des produits à 1000 euros. Et encore une fois, bon, qui se trouve en plus à moitié prix quand on chine sur Le Bon Coin ou sur Facebook. Et après, des statues à 3 ou 5 000 balles qui sont peintes à la truelle. Je regardais, alors ça n'a rien à voir avec ça, mais je regardais entre midi et deux en mangeant les vidéos de Samuel sur le Mark 50 Endemic Queen et sur le buste Tom Holland Life Size. Bon, ce buste, je l'aurais critiqué. Franchement, j'avais une vidéo sur trois, je balance dessus. Mais franchement, quoi, il n'y a même pas de démarcation noire sur qui sépare les parties. Le paint, il est approximatif. La base du Mark 50, je n'ai pas vu de mes yeux, mais elle a l'air dégueu. Et les machins, ils valent 3 et 5 000 balles, quoi. Enfin, et là, on a un paint impeccable pour 1099 euros, quoi. Voilà, que ça soit autant l'effet carrosserie que le socle. Alors le socle, moi, esthétiquement, je n'adhère pas à 100%, mais je veux dire, il est parfaitement peint, quoi. Ce n'est pas une bouillie, une mélasse où on ne reconnaît rien, quoi. Donc franchement, vraiment, et puis ça passe, quoi. Ça passe, en plus. Là, je postais ce matin la vidéo du Batman. Ouais, je comprends pas pourquoi tu critiques le buste Spider-Man, il est génial, machin. Enfin, le truc, likeness moyen, light-up inexistant, certificat qui fait 2 mm d'épaisseur, 888 exemplaires, pas de bras, arrière du socle, bof, 4800 balles. Ouais, franchement, je ne sais pas pourquoi tu critiques, quoi. C'est 5000 boules, il y a 10 défauts et il y a 1000 exemplaires dans le monde, c'est normal, pas de problème, quoi. Voilà, bon, je ne sais pas combien il devrait vendre ça, alors 200 balles si on suit la logique, quoi. Enfin bon, bref. Enfin bon, donc voilà, donc du coup une jolie statue, alors personnellement que j'ultra kiffe pas parce que vraiment le personnage ne me parle pas du tout du tout. Captain Marvel, c'est vraiment pas ma cam pour le coup. Mais voilà, une jolie petite statue. Et encore une fois, bon, à 1099 euros, je trouve que c'est quand même un peu cher. Moi, je verrais, vu le tirage 799, il est élevé. J'aurais vu 899 euros en prix public, ça me semblait pas mal. Du coup, voilà, un truc genre 700 en occasion, c'est bien. Bon, là, 600 euros, c'est tip-top. Allez, on zoome ça. Je vous mets deux telles alternatives et on clôture juste après. À de suite. Allez, on est parti du coup sur le zoom de cette Captain Marvel. Alors quand même un socle assez sophistiqué puisque du coup viennent s'entremêler les différentes flammes en résine translucide et cette base effet militaire, la trépied de canon où il y a quand même un nombre de détails assez conséquent. Alors encore une fois, bon moi c'est pas trop ma cam mais forcé d'avouer que c'est quand même vraiment, vraiment bien fait. Après, on a le costume, bon, texturé sur la partie intérieure, brillant, irisé sur la partie extérieure. Très, très joli paint, vraiment, d'ailleurs, de la part d'XM. Vraiment magnifique. Le haut du costume, et du coup, sur le même esprit, des brassards vraiment effet carrosserie, rouge Iron Man. Avec les effets de résine translucide pour chacun des bras. Tu vois, c'est vraiment très bien fait aussi. Et du coup, la tête Captain Marvel. Bon, avec cheveux peints, mais
Très très jolie tête aussi. Allez, on va permuter les deux autres. Hop. Tête numéro 2, tête à la Avenger Endgame, avec cheveux courts. Mode un peu, voilà, Brie Larson badass. Bon, très joli méchage, avec les couleurs et tout, la forme des cheveux, c'est très joli. Bon, moi je déteste. Et encore une fois, c'est un goût entièrement personnel. C'est très bien fait. En tout cas, techniquement, on peut rien reprocher. C'est vraiment très 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 joli pour le coup. Et dernière tête. Alors, je me suis beaucoup tâté avec celle-ci. Parce que franchement, le mouvement de cheveux sur la gauche, avec justement le pouvoir qui est là et qui émane de l'énergie, qui fait voler ses cheveux dans le sens contraire, je trouve que c'est très très joli. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est pas typique, c'est pas spécifique, ultra iconique de Captain Marvel comme la tête masquée. Donc du coup, bon, je vais rester sur l'autre tête. Mais esthétiquement, je trouve celle-ci plus réussie. Elle a vraiment un très joli visage, une belle expression, les lèvres qui brillent. Franchement, c'est très beau, mais ça fait moins Captain Marvel. C'est pour ça que je préfère l'autre. Allez, on conclut avec cette Captain Marvel. Alors bon, franchement, c'est pas une tuerie cosmique, c'est sûr et certain. Maintenant, bon, c'est une statue qui est aisément trouvable. Je l'ai vu plein de fois du coup sur le marché de l'occasion, s'il y en a qui sont tentés. Et c'est une statue, voilà, qu'on peut s'offrir sur un budget, disons, de 750-800 € livrés, quand on ne fait pas le coup de fusil, quoi. Et franchement, c'est une statue clairement qui les vaut. Je trouve que 800 €, 800 exemplaires, quand même 3 têtes, 2 bras, 2 canons alternatifs. Bon, voilà, on a un paint qui est exceptionnel de la part d'XM Studio. Franchement, il est vraiment de toute beauté, ce paint. Voilà, une statue qui s'emboîte encore une fois parfaitement, où les ajustements sont top. Pour ceux qui aiment bien le personnage, pour ceux qui, voilà, qui veulent une petite statue facile à caser et élégante, elle est vraiment très très sympa. Donc bon, voilà, je suis très content de mon achat. Merci beaucoup à nouveau à Frédéric pour ce prix-là de 600 € livré. C'est vraiment tip-top. Allez, on se retrouve du coup dans la vidéo numéro 6 des soldes XM Studio avec un Spider-Man où on remerciera de nouveau Frédéric. À bientôt.